Pessi Bassan, tu nous sommes bouté dans le Laisse que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Koloye soit à l'okumu, lui qui nous a donné l'être et le mouvement. A Pessi Bissosu Tangoyo, enfin, tu es bon à partager. Oezali Malobanaye, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ça fait bon temps par la grâce de Dieu. Banda, tu es bagina ko banda. Ouezali, enseignement sur les sept paroles de Jésus-Christ. Tozo ko bana yango malembe malembe. Tozo précisément na septième parole. Tozo précisément na septième parole. Lelo. Tozo na cinquième aspect o tokomi. Tozo na cinquième aspect o tokomi. Je crois. Séance passé, il y a là qui quatrième aspect, il y a septième parole de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est ça la richesse de l'évangile. Richesse évangile et angoyo. Frère Paul Azobeng angoyo, la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu, cela veut dire, c'est la sagesse de plusieurs couleurs. Oya kokoya simbi pensé oyo. Oya ya simbi pensé oyo. Oya simbi pensé oyo. Mutu moko takolo bakia onga na lobi esuki bongo te ba pensé za belé mais seulement ba pensé yango tango tokopesa yango ezala ba pensé oyo kozala na makomi ezo soutenir makambo tozoloba po soki makambo tozopesa eza na makomi oyo ezo soutenir yango te wazwa libanda ya makambo ya Nzambe. Nous insistons pour dire que lorsque les apôtres prêchaient les Écritures. Nous insistons pour que les apôtres prêchaient les Écritures. Les apôtres prêchaient les Écritures. Donc, Benjamin était à Makomi et le comme société. Benjamin était à Makomi philosophie n'a pas sauté. Que le Seigneur nous bénisse. To benga mdote ya makanisi na biso te to benga mdote ya uwezali makumi kia le senyo ono benisi. Ok, tuzana septième, tuzana septième parole de notre Seigneur Jésus Christ à la croix. Esika oyo tuzo kukoba na yango lelo. Je crois tuwebagi na kotalisa les mains de notre Dieu sur le plan ya révélation. Lelo tuzo kota na prophétie pour nakotalisa maboko kote molimo na Nzambe azokende dans la prophétie. Que le Seigneur nous bénisse. Tuzo bondela Seigneur Jésus, tuzo reconnaissant les personnes qui ont béni ce temps. Assiste nous, parle nous, éclaire nous. Zala Nzambe akolobela biso na kombo na Yesu. Amen. Tuzo na mukanda ya like. Dans le Mukanda, Luke chapitre 23, verset 46. Luke 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte : Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ah, la Bible dit : Jésus a dit : j'ai remis mon esprit entre tes mains. Ok, c'est pour dire que quand l'esprit a zo bimanaka tianzoto, il y a Jésus, a zo kende namaboko, il y a Nzambe. Je vois tout cela qui va démarche moins belle. Donc, quand l'esprit quitte le corps de Jésus, les gens ne peuvent pas qu'ils malamoko na maboko ya Nzambe. Tozwaki, Nombre chapitre 10, verset 33. Nombre 10, 33. La Bible dit, il est parti de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et il fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. Ok. To benda ki écriture pour notre sake. Pendant que Israël a zo campé, tabernacle zaki na katikati. Tabernacle zaki na katikati, kobo sante ki na kata tabernacle wana arche zalaki. Aussi le temps que le tabernacle était dressé, muta komona tabernacle azate, et puis et muta komona arche azate, et puis arche zalaka na kata tabernacle. Pour arche bima, il faut que le tabernacle ezala démonté. Pour archer, il faut que le tabernacle soit démonté. Or, que le tabernacle ezala toute une tente.
selon Corinthiens chapitre 5 verset 1, ce qui dit nango au monde akuna frère Paul a donc expliqué nous autres on a vu sur la tente. Il y a un autre du maquel le Seigneur Jésus-Christ quand il était venu sur la terre, c'est lui qui était la tente parfaite. C'est lui qui était le tabernacle parfait. Nakati na ene moli monanzambe azalaki. L'arche ozaki nakati na e. C'est ça, toujours bimisango comme le Saint-Esprit, comme la plénitude de la divinité ozalaki nakati na e. Tant que Mazoko démonte le tabernacle, c'est ça la mort de Jésus à la croix. Quand le tabernacle est démonté, c'est ça la mort de Jésus à la croix. Tout le monde a arche à Zoubima Nakatina. Arche à Nakatina Zoubima, c'est ça l'esprit. Ah, c'est ça l'esprit. Ouazina Katina Yesu, tant que Zoubima a koukende wapi, a koukende namaboko yaba sacrificateur. C'est pour dire que quand l'arche sort dans le tabernacle, destination à Yango, les années maboko yaba sacrificateur. Or, tout le monde, le Seigneur a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Zomona, le Seigneur, comme le véritable tabernacle, que je remets mon esprit entre tes mains. Mais dans l'ombre, le tabernacle, tant que démonté en haut, l'arche, nous avons compris que l'arche, comme l'esprit, tant que nous comprenons que les mains de Dieu aujourd'hui, ce sont les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, totalisent qui. Dans mon canal, nombre chapitre 3, je crois, entre chapitre 3 chapitre 4, on a Bible, les Lévites, sur la place, il y a un premier-né. Nous avons compris qu'un sacrificateur, c'est un premier-né. Hein? Un sacrificateur, c'est un premier-né. C'est pour dire que, dans Israël, à tous les 120 ans, à tous les ans, à combien, mais quand Dieu regarde, c'est pour dire qu'il y a Lévites, à tous les 3 mois, à tous les Lévites. Alors, ceux qui peuvent être âgés, ceux qui peuvent 5 ans, ceux qui peuvent être 150 ans, na mis en Zambé, s'il vous plaît, na préciser s'il vous plaît, Lévite, parce que, oui, dénombrement, bah, Lévite, bah, dans 3 mois. N'âge déjà à 3 mois, bah, si, bah, dénombré, yo. Na âge à 3 mois, bah, dénombré. Mais pour nous, quand on a 4 sacerdotes, c'est à l'âge de 30 ans, nous devons quand on a 4 sacerdotes. C'est pour dire que tout ça, on a un boule à ébélé, mais na mis en Zambé, Lévite, c'est un colon, yo. C'est pour dire que les Lévites et les missionnaires sont les premiers nés. Au premier né, ils sont les premiers nés. C'est pour dire que les premiers nés sont les premiers nés. Ils sont les premiers nés avant. Ils sont les premiers nés. Tout est ce qui est la naissance de Botama est l'une des pésalies. C'est pour dire qu'un ministre, les missionnaires sont les premiers nés. Un ministre a Botama et un beau peuple à Botama. C'est pour dire qu'un ministre a sauvé, il y a un beau peuple qui a sauvé. Voilà pourquoi il a un premier né. Cela veut dire qu'il y a un peuple qui a sali, avant le peuple a sali. Que le Seigneur bénisse. Il y a encore une remarque. Moïse, tant que nous avons besoin de Moïse, Moïse a dit qu'il y a un peuple qui a été en montagne au Rebbe. Il a dit qu'il y a un peuple qui a été montagne au Rebbe. Après avoir dit qu'il y a un montagne au Rebbe, il a dit qu'il y a un peuple qui a été Moïse qui a été peuple. Oui, parce que là, en Égypte, ame mabango baya na montagne d'Oreb. Vous voyez? Donc, on va comme na montagne d'Oreb, je crois, dans Exode chapitre 19, nous avons dit que c'est Israël. Bon, moni, on a salibino, n'engena même na mapapu na nga bande d'Egypte, n'engena bino jusque chez moi, qui est pas na ngaye. C'est pour dire que Oreb, ils allaient qui pas y en Zambé. Oreb, c'est la maison de Dieu. C'est pour dire que avant peuple, aya nanda kwa Nzambe, Moïse, azalaki déjà nanda kwa Nzambe. N'oubliez pas que la montagne d'Oreb, la montagne, c'est le royaume. C'est le Daniel chapitre 2. Bakotali sake, libanga oebetaki stati, et koma kingomba, à la suite du temps, il y aura un royaume éternel. C'est ça, cette montagne. C'est pour dire que la montagne, c'est le royaume. Yango tango zomona ke, Moïse, Azoko manan na montagne, ndake ko libérer peuple na peuple na montagne, et utalisa un ministre, abika kananu liboso, akoma kananu na royaume, azubo konzalikolo, akoti royaume, nde lite anaye, et ko ramene peuple, pe nakati ya bokonzalikolo, nakati ya royaume. Que le Seigneur bénisse, et de même avec Naomi, azalaka na Bethlehem, ndako me marit na Bethlehem. Que le Seigneur nous bénisse. Après, Naomi, c'est quoi type de ministre? Ouais, ça va Bethléem. C'est ça comme le ciel abiki, c'est ça le sali. N'est-ce pas comme ma rituel de peuple Nakatia sali. Que le Seigneur nous bénisse. Ok.
Talisi wala nyoso ka pona kotalisa kelelo. Quand l'esprit de Dieu azo kite corps ya Jésus, quand l'esprit de Dieu quitte le corps de Jésus, destination nae ezana maboko. Cela veut dire aujourd'hui, destination nae c'est dans les ministères. Destination nae c'est dans les ministères. Donc le ministère de akoyeba na kozwa oeza molimo enfin de faire le travail que le Seigneur bénisse. Donc ça la continuité ya musala, vous voyez, continuité ya musala oyo Christ asalaki. Même tantôt comme on a Élie na Élisée, Élie tant oiseau kende ne Élisée akoyeba na kozwa manteau en fait de travailler. Ce qui est manteau, il y a Élisée, il y a Élie. Donc Élisée est dans un manteau, il y a Élie. Enfin, que a ça la continuité à travail au Élie à Bandé Kosala. A ça la continuité à travail. Wana. Dans un autre aspect, Élie a présenté à Christ. Élisée a sa petit bien ministre. L'esprit, hein, afin que Aéba n'a kokota n'a kata service pour travailler. Nous précisons pour dire ceci que tout le monde a le Saint-Esprit. Oui, tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a le Saint-Esprit. Mais quand l'esprit Oeza na kataba ministre, c'est le même esprit que le peuple a reçu. Mais seulement, tant Oeza na kataba ministre, Oeza na particularité moussou, Oeza na particularité à service. Parce que cet esprit-là, quand il était venu dans le corps de Jésus, c'était pour travailler, c'était pour prêcher, c'était pour faire les services. Tant Oeza aussi lit ça, à Kozonga, hein, par exemple, que j'ai remis mon esprit entre tes mains, entre le baké, ma boko, voilà, les lots, ce sont les ministres. Tout le baké, église, Mobimba, Otoembi, Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit. Mais seulement, na katiaba ministre, et ça n'a particularité, oyo, et que c'est un peuple. Peuple, nous sommes dans le mouli, mon sang, mais, tant qu'on a eu un katiaba ministre, le Saint-Esprit, azo même ministère, afin d'expliquer les mystères au Christ quand il était dans la chair. Que le Seigneur le bénisse. Nous disons ceci. Toujours le bila. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Ma boko wana na prophétie zanine. Les autres expliquer. Ma boko wana lelo na révélation. Les autres sont les ministres de la parole. Bangonde bazana l'esprit ministériel. Va recevoir ministère. Afin d'expliquer aux alliés ma bombami yanzambe. Mais sur le plan prophétique, ma bokoana sur le plan prophétique, ils ont été les deux témoins. Donc dans la prophétie, c'est mais au molimo akokende, ils ont été les deux témoins. Parce que les deux témoins seront là pour prêcher, les deux témoins seront là pour expliquer où ils allaient les canis. Parce que quand le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte, dans le cadre de ministre, tout le monde avait reçu le Saint-Esprit, mais particulièrement, tant qu'on a dans le cadre de ministre, il y a un ministère, afin d'expliquer la pensée cachée de Dieu, que le Seigneur bénisse. Mais quand cet esprit était en Jésus, Jésus a expliqué le côté. Il parlait en parabole. C'est ça, Dieu, depuis l'ancienne alliance, il parlait en parabole, à Tikalaka pour expliquer le côté. Mais quand il revient, Nakati, il y a un ministre, comme le ministère, c'est aujourd'hui qu'il explique la pensée de Dieu. Il y a autre dit que dans la prophétie, les mains, wana, ils ont représenté les deux témoins. Ils ont représenté les deux uns ou les deux témoins. Bango, tant bakotea, c'est eux qui vont interpréter la parole de Dieu à cet temps-là. Que le Seigneur bénisse. Dans l'ombre, bateya ombre ba explika kate. Voilà pourquoi Israël a zwa kandi mbolate. Tilelo, nzamba besongo incrédulité afin que ba zwa bandi mate ba croire. Mais après la demande de l'église, nzambe a ko permettre ba yo kalite ya
enfin que ba croire pénalité ya ndenge biso pe tozako croire na yango lelo ozomona yango remarqué na mukanda ya Osée chapitre 14 verset 1 2 bilolobi Osée chapitre 14 verset 1 2 Israël revient à l'Éternel ton Dieu car tu es tombé par ton iniquité. Iniquité à Israël les anime. Iniquité à Israël les a aujourd'hui la mort de Jésus, trahison, ndenge babomaki Yesu. Yango ko remarqué tango Pilate akoyebi sa Jésus. Azwebi sa Jésus, est-ce que oyebite ke nakoki kotika yo tout comme nakoki koboma yo? Yesu ayebi se kokozwa na pouvoir mo likoko na ngai te soki epesa melaki yo te. Abi maintenant malheur à celui qui m'a livré entre tes mains car il a commis un grand péché. Or celui qui l'avait livré c'était Israël. C'est ça leur iniquité oyo ekoyesi bango. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Dans l'ancienne alliance, Israël offrait des taureaux. Il est là parce qu'il y a une incrédulité. Mais après avoir qualité, il y a des témoins. Ba kopé sali susu o ezali ba torote ba ngombe te soki ba tabate mais ba koyeba na kopé sa o ezali offrande ya lèvre ne to sala yango lelo nos adorations nos louanges tout ce que nous pesons notre corps ne Israël a kopé sa cela veut dire après avoir koyo qualité ya des témoins ne Israël a koyeba na kopé sa les offrandes spirituelles ne to pesa ngo lelo cela veut dire ba kokota pe na sacerdoce royal. Mais il y a un peu de temps, il y a des témoins. Nous insistons pour dire que l'Esprit de Dieu dans l'ancienne alliance, quand il marchait avec les prophètes, a dit qu'il n'a jamais révélé où il a pensé. Aujourd'hui, il révèle sa pensée. Après l'enlèvement de l'Église, ce même Esprit, quand il va travailler avec les deux témoins, là, il va révéler sa pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Ndenge bato balobaka ke o bakotonga temple moko boye kuna ndantikrist akota na kati nango la ça n'a rien à voir na makambo ya nzambe soki mutatei bongo te malamu te ke bakotonga temple antikrist akota na kati ya temple pour s'autoproclamer Dieu ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu parce que tango nzambe akozonga na Israël ekozwa susu sacerdoce terrestre te le sacerdoce va changer. Le sacerdoce va changer et vous avez la même sacerdoce où tout ça n'est pas. Le problème est qu'on va faire pour le but que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est pour dire que ce qui nous a pas permis que Israël a croit dans l'idée, il y a évangile, c'est donc un truc bicaté. Mais maintenant le Seigneur pour nous sauver n'a permettre que une partie à Israël quoi na kat incrédulité de ba Paul ba Pierre ba Jean ba Jacques ba Biki. Mais après l'enlèvement de l'église le tout monde a des témoins ba côté na Israël. Quand les deux témoins vont prêcher en Israël, c'est à ce moment là que Israël va croire de la même manière que Paul Pierre Jean Jacques va croire de la même manière ndamba ba Yuda obandimi lelo. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquez, Boye, Néhémie, tout en yango, tout en amoukanda à Néhémie, tout en amoukanda à Néhémie, Néhémie à Zolo Baboye, remarquez ce qui se passe dans le cas de Moukanda à Néhémie, Néhémie chapitre 1, Bible lobby. Néhémie chapitre 1, parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislin, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Tokiti, 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 tokiti. Tokozoa, ok. Sotenka Néhémie wana, okiti tinase, ou remarqué, Néhémie, azalaki Moyuda. Azalaki Moyuda, mais Néhémie, azako se retrouvé wapi. Na pays étranger na captivité mais kuna na pays étranger kota zalaki abzalaki vigneron un vigneron cela veut dire azalaki et chanson plutôt et chanson cela veut dire ande ko pesa roi masanga azozwa masanga na vine azo pesa roi enfin que roi
ayeba na komela do musala za kopesa kusala yango wana komelisa roa masanga roa komela masanga komela masanga komela masanga me mukolo musako yo kake ville na ye eza ya kobeba mirai ebeba ekoya bloko ya kobeba nde akobima na tristesse liboso roa roa kotuna ye pourquoi tu es triste nda koyebisa roa o roa komana kozana esengo osilotaki ville ya bapapa na ngai eza na kati ya kobeba komana kozana esengo osilotaki mirai ya jérusaleme eza détruite nde roa yebisi ye ozosigere nini nde akosenga nzela azonga pour aller reconstruire la mirai que le seigneur bénisse. C'est pour dire que Néhémie, avant de retourner à Jérusalem pour reconstruire la muraille, premièrement, il y a 20. Et pas un roi païen. Néhémie, il y a un type de Christ. Pour avoir une couleur de belle pour expliquer. Tout ce que je veux dire, c'est le Christ. Il y a un ministre de la parole. Il y a un ministre de la parole. 20. Il y a un ministre de la parole. Le 20, c'est la prédication. C'est ça l'enseignement de la grâce. Oyo le tozo wa nzela ya ministère de la parole. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Ce qui tozo ne sengolelo na mokili oyo, eza na pasi na mokili oyo, to ya dollar zo mata di jour au jour na mokili oyo, homosexualité koti na mokili oyo, bazo fabriquer ba vaccin mabe po ba boma bato na mokili oyo, bazo ko provoquer ko créer ba pandémie pour tuer les gens. Et le goût de paix, c'est les vins. Or, les vins, c'est l'enseignement. Que le Seigneur bénisse. Il y a remarqué dans Jean, chapitre 2, et il y a un masanga à l'iboso, au bateau à Melaki. Mais masanga wana, et silaki, et singelaki, le Seigneur, a ça le miracle, enfin que masanga msusu et pesama. Nous disons que les premiers vins nous parlent de l'enseignement de la loi. Les premiers vins nous parle de l'enseignement de la loi. Or, Christ est comme la fin de la loi. Il devait mettre fin na masangali boso. Cela veut dire na mobeko. C'était à la croix. Nazo mettre fin na masangali boso. Ni mukolo ya Pentecôte. Awe bon opé sabiso masangayami balé. Oeza l'enseignement de la grâce. Que le Seigneur bénisse. L'enseignement de la grâce. Otoza kumila lilo. Et on te le dit qu'un ministre, c'était une chanson. C'est ça. Un ministre, c'était une chanson. Musala na ye ezande apesa pa peuple za masanga donc peuple ko za masanga nde mutema ya peuple ezotoni sa manesengo malgré les difficultés que nous rencontrons sur la terre, malgré les réchauffements climatiques, malgré ba passe to na kata mukili oyo mais tant to mela ka masanga masanga lo ngola passe na kata mutema yango remarquer muto tala ki abati ndaki na ba problème mais tant wa en église avec qualité ya tant qualité koti na kati na ye et memie sengo kati na ye et longoli ye o ezali ba posa no sa mokili et longoli ye o ezali makambu nyoso ya mabe donc et memie sengo na kati mtema na ye puis n'oubliez pas tant mutu amela ka masanga alangwe na kati ma alangwe masanga langwe siye se pudi ke makambu nyoso ka na kati mokili oyo akipaka ngol suta ko mona makambu na ndenge mususu se pudi ke quand on prend les vins et que mutu alangwe. C'est pour dire que à mon akama kamuna ndenge msusu on tondi ma que les vins comme la prédication obiso to yamba lelo nde ezo changer biso lolenge ya komone la makambo que le Seigneur bénisse. Là nous expliquons les vins comme la prédication que le Seigneur bénisse. Nous expliquons les vins comme la prédication. C'est pour dire que masanga réalité ya masanga réalité ya oyo to ebina ko yamba lelo. Ah, ya mona bina mutana ba pasi metango ba teye litea ayambe litea emime sengo na kati na ye abosani makambutu azalaki na ngwana bible zo tali saboye na mukanda ya yota sana mukanda ya ecclésiaste yota sana mukanda ya ecclésiaste nazoluka ya mona mukanda ecclésiaste nazana mukanda ecclésiaste. S'il vous plaît, nous allons m'kanda Ecclésiaste T, nous allons m'kanda, nous allons m'kanda, il y a proverbe. Ok, tout le monde, que le Seigneur bénisse. Ok, tout le monde, que le Seigneur bénisse. Prochainement, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, c'est le liqueur forte.
que le Seigneur nous bénisse. Le temps que tout le cas versé, on a tous joué en haut pour tout le monde. Bref, tu vois que tant que mon anémie, je peux s'amassanga et pas à bicolo à couper sa caca bongo tant que si sa copé se consenga à zonga na Jérusalem pour nous kende ko restaurer aux amirai ou et bébaki kozonga et à Jérémie pour nous restaurer mirai. C'est ça où ils ont kubima les deux témoins. Nous sommes là, tant qu'on a ça masanga et pas il y a les rois païens, ils ont allé sans zambé, nakata bikolo, nanzela ya ministère de la parole, tous les ministres, au bauté à Sangomalam. Mais après avoir côté un peu aussi ça, les nzambé, à quoi ils ont en Israël, nanzela les deux témoins, enfin de leur aussi donner les vins, que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que tant qu'on a zonga, qu'on a c'est pour restaurer la miraille ou les bébés à maki. Or, la restauration des mirailles, c'est ça aussi. Les deux témoins au bakouté pour prêcher, enfin que le peuple, ben, ben, n'a nakondima, libosu en zambé, nakatia, sacerdoce. Mais avant, il y a Néhémie à zonga, qu'on a, il faut appeler ça dans nos massanga par bikou. Et on te dit qu'aujourd'hui, Néhémie, c'est ça, le ministère de la parole, Christ, hein, quand le ministère de la parole, au bazo pesalitea, n'ecclésia. Nous avons aussi ça, et pas la biso, n'est pas en Israël, enfin aussi d'enseigner en Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Et le koyo, on peut remarquer en Opé, dans 1 Samuel, on peut remarquer, et le koyo, salam opé, dans 1 Samuel, toujours le cas. Et salam, dans 1 Samuel, toujours chapitre 4. Chapitre 5 na chapitre 6. Ok. Qui na chapitre 6. Vous remarquez qu'est-ce qui se passe. Arche de l'Alliance et bien on quitte Israël. Tant Arche de l'Alliance et quitte Israël et kokende na paye ba Philistin. Mais tant que na paye ba Philistin et qu'on travaille qu'on ne gosala musala. Mais écoutez que la kuna libela te mais arche sengeli ezonga. Mais arche ezonga na manière nini. Na manière ni arche ezonga. Vous remarquez, bako yebisa ba Filiste boye, boka mata bangombe mi bale o bazo melisa, boka mata bana na bango, bo bomba bango na kata ndaku. So bomba bana bango na kata ndaku, nde bokuzwa arche bocheli kolo ya bangombe, nde bokuzwa bangombe wana na arche bokuzongi sayango na Israel. C'est pour dire que eloko ezomema arche na Israel eza bangombe. To eloko ezongi sa arche na Israel eza bangombe. Que le Seigneur bénisse. Le même ngombe ou bazo melisa papa Philistin nde le même ngombe ou bakuzongi sa bana na Israel. Yango tozolo baki nzambe na système yesaleli na ye acha le sali na kacha ministère. C'est pour dire que en dehors du ministère, la façon où nous avons dit c'est la lelo, c'est la même façon que Dieu va sauver demain. Donc les salis, c'est au travers les ministères de la parole. Et on te dit que bangombe ou bazo melisa lelo, et ça image ba ministre. Frère Paul dans 1 Corinthiens 15, azo comparer 1 Corinthiens 8, azo 9, azo comparer ngombe na ministre. Alobi, tu ne miseras pas les becs, il faut les grains. Après alobi. Est-ce que quand Dieu parlait ainsi, il se mettait-il en peine de baie ou c'est à cause de nous uniquement qu'il parlait? Donc là, on compare un ministre à Ngombe. Et on te dit que quand on voit Bangombe, on bénisse ça. Et tel, c'est le ministère de la parole que le Seigneur bénisse. Et tel, c'est le ministère de la parole. Ma serviteur, ou ma salam sala, et en Zambé. Et puis remarquez, Bangombe, Angope, Bazalaki, Bangombe, Abassi. C'est pour dire que ministre, le Kansanzam, Bazalaki, Ngombe. Ministre dans le Kansanzamba de la Rangombe, ça rappelle moi si, y a mon frère Paul Azolo Bake, mes enfants à qui je prouve encore, douleur d'affrontement, jusqu'à ce que Christ soit formé à vous. Nakolobara Bongo, frère Paul Azako se compare na moi si. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, mais. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nourrissent, prend en tendre soin de ses enfants. L'écriture telle que le ministre a rappelé dans la nature il y a moi si. Oui, Zawana pour amener ça, pour aller ça, peuple, que le Seigneur bénisse. Mais tant que nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu de temps,
et c'est la fin de la prédication pour les nations. Kozobana ngombe kote bona ndaku c'est sans l'enlèvement. C'est pour dire que pour la solité et sili c'est sans l'enlèvement on prend les enfants ya ngombe ba koti bangona ndaku. Nde bangombe siko bakozwa arche ba okelona Israël. Tant bangombe bazo arche ba okelona Israël a bangombe bazo soit forme ya des témoins. Bangombe bazo soit forme ya des témoins oyo bakome maliteya na Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Bangombe bazo soit forme ya des témoins oyo bakome ba maliteya na Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous disons bref dans la prophétie les mains de Dieu et autalisa les ministères des témoins. Que le Yesu a pambola biso. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Na kusuki sana doctrine to kotalisa ke et sengeli to yebelo ko moko ke nzambe na biso azala ka nzambe juste azala ka chaque chose à son temps. Lelo a visité biso. Lelo a visité biso ecclesia. Lobi akweba nako visiter Israël. La Bible dit qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Aujourd'hui, c'est le temps où Dieu a voulu na préscience nae na bonzambe nae a visiter ozali biso ecclesia. Lobi akweba nako visiter Israël. Voilà pourquoi esengeli kozala na confiance na nzambe. Quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les circonstances que tu traverses, Tangama na nzambe, la visitation de Dieu viendra te visiter un jour. Les problèmes ezaka kake yo ozali sika nzambe alingi. Les problèmes ezaka yo zana kati ya volonté ya nzambe, yo zana kati liteya obima ni à gauche ni à droite ovanda na makambo nzambe alobi. Un jour la visitation de Dieu ekoya kotala yo parce que aujourd'hui nzambe a préparé à visiter l'église. Mais lobi aweba na ko visiter ozali Israël. Nzambe na biso asala exception à batuté. Nakati ne injustice ça la raté. Il visite autre personne aujourd'hui, demain il te visitera, il te visitera aussi. Inutile à se coller ba kombo ke nganza mba ebinga ite ke nganza mba lingaranga te les problèmes ça qui yo tikala na kata litea. Les problèmes ça qui yo banga nzambe, les problèmes ça qui yo vanda na kata volonté nzambe, peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, reste ferme dans la prédication. Un jour le Seigneur Jésus-Christ viendra te visiter. Kolo Yesu a pambola biso. Que le Seigneur vous bénisse. Boi kola biso mpiko pona intervention à lelo. Sou bolandi biso l'intervention lelo, nous vous demandons pardon tito intervenir. En tout cas, un peu santé de déranger mwandambu, nous vous demandons de nous pardonner. Ah bolimbisa biso, peut-être beaucoup mona biso na ndenge to intervenir. En tout cas, bolimbisa biso parce que la santé nous dérange un peu. Que le Seigneur nous bénisse, mais comme c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes obligés d'intervenir. S'il y a des questions, le numéro de M. Zali, plus 243-99-88-77-333. Plus 243-89-860-88-75. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À la prochaine.